Good morning, Aleiden. Les tutos aujourd'hui, le Lunishmat, Rivka, Batsara, Rachel, Rachel, Batsara, Peggy, Bat Esther, Lisa, Lisa, Bat Frecha, Mazara, Bat Mazal Tov, Shishportish. Si vous souhaitez vous aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions Sanhedrin, Perek Dalet, Mishnah Dalet. Veshalosh, Shurot, Shatelmide, Chachamim, Yoshvim, Lifneyem. Kol Echad Vechad, Makir et Mekomo. Ayut Sichim Lismoch, Somchin Min Arishona. אחד מן השנייה בלו לראשונה ואחד מן השלישית בלו לשנייה ובוררין להן עוד אחד מן הקהל ומושיבין אותו בשלישית ולא היה יושב במקומו של ראשון אלא יושב במקום הראוי לו. On continue à présenter le Sanhedrin, comment il était disposé. On a appris dans la Mishnah précédente 23 juges sont en forme de demi-arc et maintenant notre Mishnah va nous enseigner qu'il y avait aussi ושלוש שורות של תלמידי חכמים יושבים לפניהם. Il y avait trois rangées de תלמידי חכמים qui étaient assis devant les 23 juges. Soit au total, 23 à 46, 92 juges, 92 תלמידי חכמים qui sont là. Les 23 juges et trois rangées de 23 תלמידי חכמים qui sont là. On va expliquer ensuite l'intérêt. D'abord, on traduit. Kol echad ve'echad makir et mekomo. Attention, ça ne soit pas n'importe comment. Chacun connaît exactement sa place. Rangée de position 18, à partir de la droite, par exemple, d'accord, chacun connaît exactement sa position. Pourquoi? Regardez comment ça se passe. Hayut zrichin lismoch. Si on est arrivé à un procès où il y a eu nécessité de faire monter un nouveau juge. Dans les 23 juges, il y a eu par exemple un des Dayanim qui est décédé ou qui ne pouvait pas être là. On avait besoin de juger, il n'était pas là, il est tombé malade, peu importe. Donc il n'y a aucun juge. Il va falloir maintenant être sommaire, faire la smicha. On va prendre maintenant, parmi ces trois rangées de Talmid Chachamim, on va en choisir un, le meilleur, qui est celui qui est à la première rangée en position 1, la meilleure. Là, c'est le bon élève. Et on va lui dire, ben écoute, ça y est, tu as le droit, le mérite aujourd'hui de devenir un juge. On lui fait la smicha, on va l'appuyer, ça veut dire on va l'attester, on va le nommer, le sommet que maintenant il va devenir juge b'Israël. Somchin min harishona, on le désigne à partir de la première rangée. Et ensuite, puisque maintenant on a une place qui s'est libérée sur la première rangée, echad min hashniya balo l'harishona, une personne de la deuxième rangée va maintenant mériter lui de monter dans la première rangée, echad min hashlishit balo l'harishona, puisque maintenant on a une place qui s'est libérée dans la deuxième rangée. De nouveau, alors, Echad min hashlishit balo l'ashniya, un de la troisième rangée va maintenant monter en deuxième rang. Au boririn lehen od echad min hakal, et puis maintenant on a une place manquante. Dans les 23 de la troisième rangée, il n'y en a plus que 22. Donc, au boririn lehen od echad min hakal, on va prendre encore un supplémentaire de l'assemblée. Au moshivin oto ba shlishit. Et on va l'installer dans la troisième rangée. On continue tout de suite la Mishnah, après on refait un petit peu d'ordre. C'est vraiment très simple. Mais si déjà, comme ça, on s'est acquitté de l'introduction. Veloaya Yoshev Bimkomo Shel Rishon. Maintenant, lorsqu'on prenait cette troisième personne, cette nouvelle personne de l'assemblée qu'on allait l'installer, il n'allait pas s'asseoir à la place du premier. Ouais, la place qui s'est libérée. Ela Yoshev Bamakom Araouilo. Mais on va plutôt l'installer à la place qui lui est apte. Soit, on refait de l'ordre dans toute la Mishnah. Tout d'abord, quel est l'intérêt d'avoir ces trois rangées? Ces trois rangées à gaffe, entre parenthèses, plus qu'entre parenthèses même, ça va être un peu dans le porté noir, ils étaient aussi assis sous forme d'arc. Soit on a l'arc des 23, et on a trois rangées, 1, 2, 3, où il y a maintenant 23 Talmidei Chachamim à chaque rangée. D'accord? Quel est l'intérêt d'abord? C'est 69 Talmidei Chachamim qui sont là. Quel est l'intérêt, comme ce que la Mishnah nous a dit, pour qu'ils soient là en roue de secours? Dans quelle position on a besoin de roue de secours? Il y a deux situations. Tout d'abord, le cas classique qui n'est pas rapporté par la Mishnah. Le cas classique se sera rapporté cette fois-ci dans une autre Mishnah à la fin de notre Perek, si je ne me trompe pas, ou je ne sais plus. On apprendra de cas qu'il y a des situations un peu bloquées où il va falloir augmenter le nombre de juges. On est parti avec 23 juges, on va arriver dans une certaine situation où il y a un juge qui ne sait pas la lacha, on est arrivé dans un mauvais équilibre. Peu importe, il y a plusieurs solutions, on les apprendra. Donc maintenant, il va falloir rajouter deux juges. Et encore deux juges. Et encore deux juges au fur et à mesure. Et que si la situation reste bloquée jusqu'à qu'on a atteint le seuil de 71 juges, la même quantité de juges qu'il y avait au Sanhedrin Gdola, au Sanhedrin qui était à Yerushalayim, qui s'est géré à Yerushalayim, à Ishkatagazit, alors, si on a atteint maintenant les 71 juges, on ne rajoutera plus de juges. Mais
ils devront débattre jusqu'à qu'à la fin, ils réussissent à se prouver l'un à l'autre, à faire bouger un petit peu la position d'un juge et de rétablir l'équilibre dans l'ordre qu'il faut. D'accord ? Donc ça, c'est la nécessité d'abord d'avoir des juges. Selon ce principe, on a besoin de monter de 23 juges, d'avoir la possibilité de monter jusqu'à 71, soit un écart de 48. D'accord ? C'est pas que j'ai calculé, je suis bon en calcul de toute façon, mais de toute façon c'est aussi écrit dans le Martel Rav, de 48 juges. Donc il va monter et il va manquer 48 juges. Là on a un problème technique. Donc on a besoin d'avoir, en plus de 23, avoir un potentiel de 48 juges. Comment on va faire 48 juges ? En théorie, on aurait pu faire deux rangées de 24. 24 et 24. Seulement, la Gemara nous explique, c'est pas digne d'avoir les rangées des juges et les rangées des élèves plus larges. Ouais, bien qu'à l'école, on a le prof tout seul et plein de rangées d'élèves. En tout cas, pour le Sanhedrin, c'était pas digne d'avoir les rabbanim qui sont là et d'avoir des juges plus larges pour les élèves, je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, c'était pas digne. Donc il fallait faire des rangées pas plus que 23. Alors là, on a un problème. On va faire 23, on aurait pu faire... En tout cas, on aurait pu faire 23, 23 et 2, mais seulement on va faire une petite rangée de 2, c'est pas digne, ça va être un petit peu les cancres qui sont les Yoshevé Kranot, ils sont assis au coin, c'est pas propre, c'est pas joli. Alors quoi ? On va faire 23, 23, 23, et c'est tout, et ça nous fera un petit supplément pour les juges, d'accord ? C'est sur ce principe donc qu'on avait les 3 rangées des juges. À part ça, lorsque l'on veut, la Mishnah nous enseigne à part ça, lorsque l'on veut nommer un nouveau juge, on a besoin d'un nouveau juge, il y a un juge que, ça y est, c'est sûr, il ne reviendra plus ici. Il est décédé, il est tombé grièvement malade. Alors maintenant, il va falloir nommer un juge supplémentaire. Alors, il faut savoir que dans chaque rangée, ils étaient hiérarchisés. Chaque place avait son importance. Le numéro 1, le siège 1, comme si vous numérotez les sièges 1 à 23, après 2, 24, jusqu'à 46, si je ne me trompe pas, ouais, c'est ça, 46, et puis après de 47 jusqu'à 69. D'accord ? Et selon le numéro de chacun, eh ben, c'est une place qui marque son importance par rapport aux autres Talmidim qui sont là. C'est-à-dire que c'est un Talmid qui connaît mieux ses Sougiot que d'autres. Ils sont tous classés, forcément. De ce fait, lorsqu'on veut ajouter, on va ajouter le numéro 1. Et alors là, comme dans tous les jeux de construction, chacun va se déplacer d'un cran. Chacun, finalement, ça revient au même. Ça veut dire, on va prendre dans la première rangée déjà, les 22 vont chacun monter d'un cran, ils montent en grade. Et celui d'un de la rangée numéro 2, qui était le numéro 24, il va devenir le numéro 23, il va passer à la première rangée. Chacun va se déplacer. Et tac, celui de la troisième rangée, le numéro 47, il va devenir le numéro 46. Et on va faire rentrer quelqu'un à la place numéro 69. Et on a fini toute la Mishnah. On fait à présent le Bartenora. Mais shalosh shurot, trois rangées. Mais kol shura shel chavgimel talmidei chachamim. Chaque rangée comprenait 23 talmidei chachamim, les élèves. Pour quelle raison ? Tout d'abord, shema yichalku adayanim veyu ruban mechayvin umiyutan mezakim. Le Bartenora va nous expliciter les situations bloquées. De peur qu'il va y avoir une discussion entre les juges et qu'il va y avoir la majorité des juges qui vont condamner et la minorité qui disculpe. Mais le problème, il est, souvenez-vous, on avait appris « Zataya lera ena alpi echad » pour pouvoir trancher selon la voie de la majorité. Pour condamner, il faut nécessairement une majorité claire avec deux supplémentaires. Or, si on se retrouve à 12 contre 11, alors on ne pourra pas condamner de cette manière. Qu'est-ce qu'on fait dans une situation pareille ? Le partenaire va nous rapporter, donc il va falloir rajouter deux juges afin de voir ce qu'on allait pouvoir les démarquer. Et de nouveau, si on allait tirer avec le problème, on allait rajouter deux supplémentaires, donc on va se retrouver à 13, 12, on aura le même problème, on rajoute encore deux, et ainsi de suite jusqu'à arriver à 71. On aura l'occasion d'expliciter dans la Mishnayot prochaine comment faire ensuite une fois qu'on arrive à 71. D'accord ? Le partenaire donc va nous rappeler le pasouk d'où on déduit qu'on ne peut pas trancher avec un juge supplémentaire pour condamner, mais qu'il faut forcément deux. Tu n'iras pas selon la majorité pour condamner, quoi. Je vais pas selon la majorité pour condamner, alors quoi, selon la minorité? Non, tu n'iras pas selon la majorité simple, avec un supplémentaire jusqu'à ce qu'on ait deux supplémentaires. Mais c'est-à-dire que l'osif shtaim shtaim ad ayin alef. Il faudra rajouter deux par deux jusqu'à ayin alef, gamatria 71. Jusqu'à 71. Shele olam en mosifin al adanim yoterm ayin alef. Parce que sache que, quoi qu'il arrive, tu n'ajouteras jamais plus de juges que 71, comme Moshe Rabbeinu et les Skenim. Ils étaient 70 Kenim, avec Moshe Rabbeinu, ça fait 71. Il car, tsarich lo shiv lefneim, mem chet l'ashlamat shivim echad. C'est pour ça que les juges doivent avoir en stock 23 Talmidei Chachamim, 48 Talmidei Chachamim capables de devenir juges. Donc, avoir ces fameux Talmidim, disciples, qui sont assis devant eux.
Et maintenant, Velavar Ara la Sot Shurot Almidim Meruba Michel Dainim, ce n'est pas digne, ce n'est pas correct d'avoir des rangées de disciples plus larges que celles des juges, de ce fait, Elkar Avdinan Gimel Shurot, c'est pour ça que l'on va faire 3 rangées de 23, d'accord ? Chacun de ses disciples connaît sa place. Pourquoi ? Donc les 23, comme je vous dis, les 23, en fait, comme si vous numérotiez les places de chacun, de manière à ce que chacun retrouve sa place exacte, parce que c'est signe de sa grandeur en Torah. Parce qu'ils étaient assis selon leur connaissance. Les fikar, haya kol echad tzarich l'akir et mekomo. C'est pour ça que chacun devait nécessairement connaître sa place. Utsrichu lismor. S'il a eu nécessité de prendre maintenant un élève qui allait devenir un juge fixe, permanent, constant, ouais. Kegon shemet echad minadayanim, comme par exemple un des juges qui est mort. S'il y avait un des 23 qui est décédé, il va falloir le remplacer. Alors, on allait faire monter quelqu'un de nouveau. Et ensuite, la Mishnah nous raconte qu'on va prendre quelqu'un ducal de l'assemblée, on va le faire entrer maintenant dans les rangées des Talmidim. Et alors, Veloaya Yoshev Bimkomo Shanrishon, il n'allait pas prendre la place libre. Veloaya Oto Shinivra Minakal Yoshev Bimkomo Shanrishon, celui qui a été désigné, ce nouveau, il ne va pas aller s'asseoir à la place du premier qui a libéré la place. Et là, Bimkom Araouilo, Besof, Shura, Shlishit, mais il devra plutôt s'asseoir à la place qui lui revient selon son rang d'être le moins aiguisé des Talmidei Chachamim qui est là. Il a encore beaucoup de travail à faire, il a besoin de s'expérimenter, il a déjà mérité de devenir un des Talmidei Chachamim qui est assis devant les Dayanim, mais c'est pas assez. Alors, et voilà. D'accord ? Et la Bimkom a Raoulo, Besov Shurashi, c'est pour ça qu'il va se voir à la dernière place de la troisième rangée, numéro 69. Olfelefi, She Akatan, Mina Talmidim, She Bashurot, Gadol, Mina Gadol, She Bakal. Car, quelle que soit la situation, on va dire que le plus petit des disciples qui est assis dans ces trois rangées, il aura un niveau toujours plus grand que celui des gens simples du peuple. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Aslacha, comme tout ça.